J'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons réaliser cette belle tunique avec des torsades qui ressemblent énormément au poncho Vali de la semaine dernière. En ce moment, j'adore les torsades. Donc, j'en ai fait trois, comme vous pouvez voir, sur la partie de devant. J'en ai fait une grande centrale et deux petites ici. Et ici, j'ai des brides en relief qui remontent. Moi, j'adore. J'ai travaillé des points élastiques sur tout le contour du cou, des points élastiques sur les côtés et pour joindre tout simplement des boutons en noix de coco, des grands boutons de 6 cm. Voilà. J'adore ce genre d'ouvrage, un petit peu oversize, mais très travaillé, très fin. Voilà. Donc si vous voulez rester avec moi, je vous laisse avec le pas à pas. Nous allons utiliser la Bravissimo, qui est un fil que je ne présente plus maintenant. C'est du 100% acrylique certifié Ecotex. C'est des grosses pelotes qui pèsent 500 grammes et mesurent 1500 mètres. C'est un fil qui est très économique. Vous allez voir que la pelote est dans les environs de 9 euros. Donc... j'ai choisi une couleur camel, j'adore cette couleur, elle est super jolie. Et je vais utiliser peut-être une pelote, un peu plus d'une pelote, je ne sais pas. Parce que vu qu'on va faire des torsades, c'est un petit peu comme le même principe, enfin c'est le même principe que le poncho Vali que j'ai fait la semaine dernière. Voilà. Mais sachez qu'ils vendent des grosses pelotes, mais ils vendent aussi le... petit format, je crois que c'est 100 grammes la pelote, donc si vous n'êtes pas sûr, vous prenez une pelote et quelques petites pelotes ou deux pelotes directement. De toute façon, c'est jamais gaspillé ce genre de fil avec ce genre de couleur. On utilise pour n'importe quel autre ouvrage. On va utiliser un crochet d'une taille de 4 mm. Même si c'est conseillé entre 3 et 3,5, il faut toujours un peu vérifier hein, le fil, comme je vous dis souvent. Ces boutons magnifiques qui sont en noix de coco, et j'aime beaucoup cette couleur avec celle-ci. Ils en ont d'autres coloris. Le bouton, il mesure 6 cm de diamètre. On va utiliser une paire de ciseaux, une aiguille à tricot, des marqueurs de rang et un mètre de couture. Vous allez commencer par prendre votre mètre de couture et mesurer d'épaule à épaule. Et ça va vous donner une mesure en centimètres, comme moi. Ici, mon épaule à épaule mesure 40 cm. Et à ce nombre de centimètres-là, vous allez en rajouter 30. Une fois que vous avez... cette mesure, donc les 70 cm dans mon cas, vous allez les transformer en mailles en l'air, en chaînette de mailles en l'air. Et comment ajuster la chaînette par rapport à la torsade du milieu? Notre torsade, elle comporte, on va avoir besoin de 38 mailles, 38 points de base pour pouvoir travailler les torsades. Donc ici, il faut qu'on ait un nombre. Il faudrait qu'on ait le même nombre de mailles d'un côté que de l'autre. Comme ça, notre torsade, elle est centrale. Et c'est là que vous allez ajuster votre chaînette de mailles en l'air. Vous allez un petit peu compter. Par exemple, vous faites, je ne sais pas moi, 110 moins 38. Il va vous rester un calcul. Vous allez le diviser par 2. Vous allez avoir tant de mailles là et tant de mailles là. Et ensuite, nous allons travailler de bas en haut et nous allons finir par les points ici élastiques. Nous allons commencer également par une base de points élastiques, ok? Donc par 108 mailles en l'air, non, mais 108 rangées. Vous allez voir, hein, c'est très facile, je vais bien vous expliquer. Ensuite... nous allons rajouter, comme pour le poncho de la semaine dernière,
mais pas les mêmes points, des points élastiques sur les côtés d'une taille de 8 cm, comme je vous mets ici, pour pouvoir bien placer le bouton au milieu pour qu'il reste 1 cm de chaque côté et que ce soit joli. Il faut que notre point élastique ici mesure 8 cm. Donc au total, nous allons faire une pièce à l'arrière où il n'y aura pas de torsade de 86 cm de largeur sur 63 cm de hauteur. Et pour le devant, nous allons faire une autre pièce avec torsade de 80, enfin au total, hein, quand on aura fini, de 86 cm de largeur sur 63. Voilà, je vais vous commencer. On va commencer par le dos. Une fois que vous avez calculé vos mailles en l'air, vous allez voir, c'est très facile comme calcul, hein. C'est un oversize. Donc, je vous dis une taille L, mais en réalité, c'est une taille. Enfin, parce que moi, je fais du L, c'est du oversize. C'est pour ça que je vous ai dit, pour calculer, c'est comme ça. Moi, j'ai fait comme ça. Voilà. On va se retrouver pour commencer le dos. Voilà, ça c'est le dos, comme vous pouvez voir. On part d'ici, enfin comme vous pouvez voir, non. On part d'ici, on va faire notre point élastique et ensuite on va monter des rangées de brides, toutes simples. Pour faire notre point élastique, on va partir d'une base chaînette de 13 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 13. Dans la deuxième maille à partir du crochet, on va faire une maille serrée. Et on va faire une maille serrée dans chaque maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Doit avoir 12 mailles serrées. Et maintenant, on va répéter la rangée que je vais vous montrer. Une maille en l'air. Donc là, on a notre première rangée, d'accord? Je tourne dans le brin arrière de la toute première maille serrée. Je fais une maille serrée. Je vais faire une maille serrée dans le brin arrière de chaque maille serrée. 2, 3, 4, 5, 6. Excusez-moi. 7, 8, 9, 10, 11, et on n'oublie pas la dernière, 12. Là, on a notre deuxième rangée. Une maille en l'air, on tourne dans le brin arrière de la même maille serrée et ensuite toujours le brin arrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11 et 12. On a notre troisième rangée. Et on va faire ça, les amis, jusqu'à en avoir
108. Moi, dans mon cas, 108. Et vous, ben, ce que vous aurez calculé. Donc voilà, les amis, 108 rangées. Maintenant, on va faire une rangée de mailles serrées pour préparer le bord ici, pour pouvoir monter, donc faire notre nos brides. Alors, on monte une maille en l'air et on va faire la première maille serrée ici. On va compter les mailles serrées, il faut qu'on en ait 108, pareil, hein. Une. Ici, au milieu, on va en faire deux. Deux et trois. Ensuite, quatre et cinq. Six et sept. Et on continue de cette façon. 107 et 108 dans la dernière maille. Pour faire des rangées de brides pour le dos. Alors, pour le dos et le devant, on va commencer sur la même base. On va faire les points élastiques et le tour de maille serrée. Ensuite, pour le dos, on va simplement faire une bride dans chaque maille serrée pour commencer, et ensuite une bride dans chaque bride. Et pour ça, on va monter deux mailles en l'air qui ne vont pas compter pour une bride, qui vont juste nous aider à prendre de la hauteur. Et dans la même maille serrée, on va faire la première bride. Pourquoi je fais ça? Pour éviter ici d'avoir des trous. Si je monte trois mailles en l'air, tout simplement, et qu'elle me sert de première bride, la deuxième bride, je vais devoir la faire ici. Et entre la bride qui est là et les trois mailles en l'air, ça crée un espace que j'aime pas moi personnellement. Donc je monte deux mailles en l'air pour faire ma première bride ici. C'est-à-dire pour prendre de la hauteur et pour pouvoir faire ma bride. Et ensuite, je fais une bride dans chaque bride et je préfère le rendu qu'il n'y ait pas de trous sur les côtés. Donc voilà, on va faire un tour de bride. Donc comme je vous expliquais, ben, pour le dos, on commencera toujours de la même façon. Deux mailles en l'air, une bride dans chaque bride. Et je vais vous dire combien de rangées j'ai fait pour le dos. Pour le devant, pareil, on va faire ici une première rangée de brides avant de commencer le motif de torsade. J'ai fait 56 rangées en tout pour le dos. Vous allez prendre vos marqueurs et vous allez ici positionner le premier marqueur à la 35e bride en comptant de droite à gauche. Ensuite, vous allez laisser 38 brides ici de libre et vous allez positionner votre marqueur à la 39e. Du coup, à partir de celle-ci jusqu'à là, vous avez 35 brides normalement. On va travailler dans le centre de la torsade. Je vais vous numéroter les tours et alors, donc. on va travailler d'un côté des torsades, donc du côté gauche et du côté droit. On va travailler des mailles serrées allongées. Et ici, nous allons faire une séquence, pardon, de 1, 2, 3, 4, 5, 5 torsades. Deux de chaque côté qui seront identiques et une centrale. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Comment on fait? Donc, les mailles serrées allongées. On fait une maille en l'air, on tourne. On va faire, on rentre dans la première bride et au lieu de faire la maille serrée habituelle qui est comme ça, on va juste l'allonger un peu. C'est-à-dire qu'on passe à l'intérieur de la bride. On va passer dans la première boucle et ensuite on passe dans les deux autres boucles. Ça l'allonge un peu
Et ça nous permet d'avoir une hauteur juste des deux côtés par rapport aux torsades du milieu. Ok, donc ça, on va faire ça jusqu'à arriver au marqueur. Et voilà, arrivé au marqueur, on va le retirer. On fait une maille serrée allongée et on remet le marqueur. Je vous conseille vraiment de remettre à chaque fois les deux marqueurs hein, qui marquent le début et la fin des torsades. Alors pour cette première rangée, on va commencer les torsades à l'avant. Alors, il y a plusieurs choses à savoir pour les torsades. Il y a les torsades, enfin, on va les faire en bride en relief avant. C'est ce qui correspond donc à l'endroit en fait de l'ouvrage. Et les brides en relief arrière vont correspondre à l'envers, c'est-à-dire à l'intérieur de l'ouvrage. Lorsqu'on travaille en bride en relief avant, on ne fait que des brides ou des doubles brides en relief avant. Et lorsqu'on travaille en double bride, en bride, pardon, en bride en relief arrière, on ne fait que des brides en relief arrière. Déjà, ça, c'est un point qu'il faut savoir pour pas se mélanger. Parce que lorsque nous allons faire des croisements, puisque les torsades vont se croiser, c'est le principe, parfois elles vont se croiser lorsque on va être dans un rang à l'endroit, c'est-à-dire bride en relief avant, et parfois elles vont se croiser lorsque nous serons en bride en relief arrière. Donc on va voir tout ça bien sûr ensemble, mais déjà je tenais à vous préciser qu'il y a un endroit et un envers et que on ne travaille que en bride en relief avant à l'endroit et que en bride en relief avant derrière arrière à l'envers. Pardon. Je commence à me mélanger. On commence. Allez. Dans la première bride ici, on va la faire en bride en relief avant. Là, on est. On travaille en bride en relief avant. Dans la bride suivante, on va faire pardon, une maille serrée allongée en haut de la bride. Donc celle-là, on la fait pas en relief. La suivante, on va la faire en relief avant, bien sûr. Et la suivante, on ne le fait pas en relief. Donc on fait une maille serrée allongée. Voilà. Cette partie-là ne changera jamais. Vous allez voir, il y a des brides qui ne vont pas changer. Elles seront toujours en relief comme ça. Alors, maintenant, dans les quatre brides avec les quatre brides suivantes, on va travailler une torsade. Donc, on va faire déjà, on va les mettre en relief toutes les quatre avant. Une, deux, et 4. Pour ce motif, on va faire trois torsades, une grande au milieu et deux petites sur les côtés. Dans la bride suivante, on va pas la faire en relief, donc on fait une maille serrée allongée en haut de la bride. La bride suivante, on la fait en relief avant. La bride suivante sans relief, donc on fait une maille serrée allongée en haut de la bride. La bride suivante en relief avant. Et la suivante sans relief, on fait une maille serrée allongée. Donc nous voici, on a une, deux brides en relief ici, quatre au milieu, une, deux de l'autre côté.
Ici, on va faire une torsade dans les quatre. Et celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci vont toujours rester en relief. Là maintenant, on va travailler sur les 12 brides suivantes, la grande torsade du milieu. On va faire deux jetés et on va sauter les trois premières brides. Dans la quatrième, on va faire une double bride en relief avant. Une. Dans la suivante, une double bride en relief avant. Deux. Et trois. Maintenant, on va faire une double bride en relief avant en croisée par l'arrière, c'est-à-dire qu'on va faire deux jetés et on va venir tenir ces brides-là, ça va être plus facile. Et on va faire une double bride en relief avant dans la première bride qu'on a sautée, vous voyez? 1, 2, 3. Dans la première, ici, on la prend, hop. N'ayez pas peur de déplacer les brides, hein, elles vont se remettre, ne vous inquiétez pas. Deux jetés, vous poussez les brides, vous attrapez les doubles brides, pardon, vous attrapez la bride et vous faites votre double bride en relief avant. Et pareil pour la dernière. Hop, on pousse un peu. J'attrape la bride et je fais ma double bride en relief avant. Et après, je remets bien mes petites doubles brides. Deux jetés. On va sauter les 1, 2, 3 suivantes. Donc, dans la quatrième, dans la suivante, on va faire une double bride en relief avant. Dans la suivante, pareil. Et dans la suivante, pareil. Et là, on va faire double bride en relief avant, croisée devant. C'est-à-dire que dans les trois que l'on vient de sauter, on va venir faire hop, deux jetés et dans la première, on va croiser vers l'avant. Vous voyez? C'est plus facile en croiser vers l'avant que croiser vers l'arrière, je vous assure. Mais de toute façon, on y arrive en fin de compte. C'est pas si compliqué les torsades. Dans celle du milieu, double bride en relief avant, croisée à l'avant. Et deux jetés, et dans la dernière qui est ici, double bride en relief avant, croisée à l'avant. Pour cette torsade ici centrale, on va toujours croiser de la même façon que je viens de vous montrer. Ici, croisé vers l'arrière et ici, croisé vers l'avant. La suivante, on ne fait, dans la suivante, on ne fait pas de relief, donc on va faire une maille serrée allongée. Dans la suivante, on fait une bride en relief avant. Dans la bride suivante, on ne fait pas, donc maille serrée allongée. Dans la suivante, une bride en relief avant. Et dans la suivante, on ne fait pas de relief, donc on fait une maille serrée allongée. Maintenant, on va travailler la troisième torsade qui sera la même qu'ici. Donc, on va faire quatre brides en relief avant dans les quatre brides suivantes. Une, deux, trois et quatre. Dans la suivante, une maille serrée allongée. La suivante, une bride en relief avant. La suivante, maille serrée allongée. Et la dernière, bride en relief avant. Donc, cette partie ici, c'est la même
que cette partie ici. On va finir la rangée en mailles serrées allongées et on va se retrouver, enfin, on va terminer la rangée et on va revenir pour le deuxième tour de torsade. On se revoit ici. Voilà, pour ce deuxième tour, on va travailler en bride en relief arrière dans la bride, dans la première bride ici. Hop, vous voyez, elle est déjà un petit peu en arrière. Donc on a juste à faire la bride en relief arrière. La suivante, c'est une maille serrée allongée qui est ici. On fait une maille serrée allongée. La suivante, c'est une bride en relief arrière. La suivante, c'est une maille serrée allongée. Là, on a les quatre brides de la première torsade qu'on va croiser. Et comme vous voyez, on est en bride en relief arrière. Donc, c'est ce que j'appelle croisement bride en relief arrière. Il y a pour ces torsades-là, celle-ci est la deuxième, donc les petites torsades. On va faire ici le croisement en bride en relief arrière et on fera deux tours sans croisement et le tour d'après, ce sera un tour de croisement en bride en relief avant que je vous montrerai aussi. Et on va alterner à chaque fois le croisement avec deux tours entre chaque croisement sans croisement. Okay? Je vous montrerai aussi comment on fait les tours sans croisement. Pour la torsade du milieu, c'est toujours le même croisement, celui que je vous ai montré ici, qu'on fera tous les trois tours sans croisement. Là, on va faire donc le croisement en bride en relief arrière. On va sauter une et deux brides. Et donc, dans la troisième, ici, on va faire une bride en relief arrière. Puis, dans la quatrième également. Et là, on va faire un croisement en bride en relief arrière, c'est-à-dire que vous allez croiser, voyez, les brides, elles sont ici. Vous passez par l'arrière. Vous ne perdez pas le fil. Et dans la première bride, qui est ici, on va faire une bride en relief arrière. Hop. Vous pouvez vous placer également. Vous pouvez tordre un petit peu l'ouvrage et tout ça pour pouvoir faire votre bride. Hein. Alors, et dans la deuxième, donc, qui est ici. La deuxième des quatre. Pareil, bride en relief arrière. Là, on a fait le premier croisement des petites torsades. Alors, la suivante, elle est ici. C'est une bride en relief. Non, pardon, elle est. Elle est. Ah oui, la prochaine, c'est une maille serrée allongée, pardon. Elle est ici. La suivante, c'est une bride en relief arrière. La suivante, c'est une maille serrée allongée. La suivante, bride en relief arrière. Et la suivante, maille serrée allongée. On peut pas trop se rendre compte, mais vous allez voir quand on va commencer à avancer, elles vont commencer à se dessiner. Comme je vous disais, pour les 12 du milieu, la grande torsade, il y a 12 points. Là, on va faire donc la première rangée sans croisement. Donc, on va faire que des brides en relief arrière dans chaque
double bride, puisque c'est des doubles brides qu'on a travaillé tout à l'heure. On va déjà commencer par faire des doubles brides dans les trois qui sont ici. Des doubles brides, des brides en relief arrière, pardon. Une. Deux. Et la troisième. Trois. Ensuite, les trois suivantes, elles sont là. Elles sont croisées vers la gauche, penchées un peu vers la gauche. Une, deux et trois. Les suivantes qu'on va faire, elles sont penchées ici vers la droite. Une, hop là, deux et trois. Et les dernières, elles sont ici, croisées vers la gauche. Les trois dernières de la torsade centrale. Une, deux et trois. Pour la torsade centrale, il n'y a que lorsque l'on croise, que l'on travaille des doubles brides. C'est le seul moment où on travaille des doubles brides dans tout l'ouvrage d'ailleurs. C'est lorsqu'on croise la torsade centrale. La maille suivante, c'est une maille serrée allongée. La suivante, c'est une bride en relief, donc bride en relief arrière. La suivante, c'est une maille serrée, allongée. La suivante, une bride en relief, hop là, arrière. La suivante, une maille serrée, allongée. Et là, on arrive donc à notre dernière torsade de 4 brides qui sont là, qu'on va croiser à l'arrière. On saute la première bride et la deuxième, et dans la troisième, on fait une bride en relief arrière et une bride en relief arrière dans la quatrième. Puis on va croiser et on va faire une bride en relief arrière dans la première. Oula. Je refais. Mince, j'étais trop loin. Hop, juste là. Voilà. Et dans la deuxième. Donc ici, on a fait notre premier croisement dans les petites torsades. La suivante, c'est une maille serrée allongée. La suivante, une bride en relief, donc bride en relief arrière. La suivante, c'est une maille serrée allongée. Et la dernière, c'est une bride en relief arrière. On va faire un point. Moi, pour moi, le principal, c'est que vous compreniez. Dans les deux petites, là, on vient de faire un croisement en bride en relief arrière. Et dans la torsade du milieu, on vient de faire un tour sans croisement. Là, maintenant, on va faire deux tours pour les petites sans croisement. Et également pour la torsade du milieu, puisque là, on a fait le premier. Plus 2, ça fait 3. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les croisements ici, on le fait tous les 3 tours sans croisement. Donc les deux tours suivants sont très simples. On va terminer le rang en maille serrée allongée ici et revenir. On se revoit pour le tour suivant. Nous voici du côté face et on va faire donc une rangée
sans croisement. Et là, bien sûr, du côté face, on travaille les brides en relief avant. Alors, dans la première, une bride en relief avant. Dans la suivante, une maille serrée allongée. La suivante, bride en relief avant. La suivante, maille serrée allongée. On arrive ici dans la première torsade. On va d'abord faire une bride en relief avant dans les deux brides qui sont vers nous. Une et deux. Et là, on va faire deux brides en relief avant dans les deux qui sont derrière. Alors, regardez bien parce qu'il y en a une qui se cache. Et il faut juste l'attraper. Voilà. Une et deux. Ensuite, la suivante, c'est une maille serrée allongée. La suivante, bride en relief avant. Moi, je vous conseille de ne pas serrer trop les torsades. La suivante, c'est une maille serrée allongée. Et la suivante, c'est une bride en relief avant. On arrive à la torsade du milieu. Là, on va faire le deuxième tour sans... Ah non, excusez-moi, j'ai oublié ma petite maille serrée allongée juste avant. Sinon, c'est pas drôle. Si on ne fait pas de maille serrée entre les torsades, on ne voit pas le relief. Alors, donc pour la torsade du milieu, là, on va faire notre deuxième rangée sans croisement. Alors, on va faire une bride en relief avant dans chaque bride. Une, deux, hop là, trois. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. 10, 11 et 12. Hop. La suivante, maille serrée, allongée. La suivante, bride en relief avant. La suivante, maille serrée, allongée. La suivante, bride en relief avant. La suivante, maille serrée allongée. Et on arrive dans la dernière torsade. On va faire des brides en relief avant dans les deux premières qui sont vers nous. Une et deux. Puis celles qui sont cachées. Une et deux. Ensuite, maille serrée allongée dans la suivante. Bride relief avant dans la suivante. Maille serrée allongée dans la suivante. Bride en relief avant dans la dernière. Voilà. Maintenant, on va faire des brides. On va continuer. Bride allongée jusqu'à la fin. Et ensuite, on revient pour le tour suivant. Ici, on va faire le deuxième tour pour les petites torsades sans croisement. Et le troisième tour sans croisement pour la torsade centrale. Alors, on va faire donc une bride. Alors on est à l'envers, donc on travaille des brides en relief arrière.
On va faire une bride en relief arrière dans la première. La suivante, une maille serrée allongée. Dans la suivante, bride en relief arrière. Dans la suivante, maille serrée allongée. Et là, on est dans la torsade. Donc, 4 brides en relief arrière dans les 4 brides suivantes. 1, 2, 3 et 4. Maille serrée allongée dans la suivante. Bride en relief arrière dans la suivante. Maille serrée allongée dans la suivante. Bride en relief arrière dans la suivante. Maille serrée allongée dans la suivante. Et là, on est dans les 12 brides de la torsade centrale. On va faire 12 brides en relief arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Dans la suivante, une maille serrée allongée. Dans la suivante, une relief arrière, une bride. Dans la suivante, une maille serrée allongée. Dans la suivante, une bride en relief arrière. Dans la suivante, une maille serrée allongée. Et là, on va faire les 4 brides en relief arrière de notre dernière torsade. Une, deux, trois et quatre. Donc, dans la suivante, une maille serrée allongée. Dans la suivante, une bride en relief arrière. Dans la suivante, une maille serrée allongée. Et dans la dernière, une bride en relief arrière. On va terminer en faisant la rangée avec les mailles serrées allongées. Et on revient ici, on se retrouve pour le tour suivant. Et voilà. Maintenant, on va croiser. Pour les deux petites et celle du milieu. On travaille bien sûr en bride en relief à l'avant puisqu'on est à l'avant. Bride en relief dans la première, maille serrée allongée dans la suivante, bride en relief avant pour la suivante. Puis maille serrée allongée pour la suivante. Et ici, on va croiser, bien sûr, à l'avant, en relief avant. On saute les deux brides suivantes. Dans la troisième, on fait une bride en relief avant. Dans la suivante, donc dans la dernière, bride en relief avant. Et on va croiser vers. On va vers l'arrière. Et on va faire une bride en relief avant dans la première, donc dans celle que l'on vient de sauter.
puis dans celle d'à côté. Poussez les brides qui sont devant pour vous aider. Faites votre bride en relief avant et puis vous remettez vos brides. Dans la suivante, on fait une maille serrée allongée. Dans la suivante, bride en relief avant. La suivante, maille serrée allongée. Dans la suivante, bride en relief avant. La suivante, maille serrée allongée. Donc là, ici, je vous ai montré les deux croisements. Celui quand on est en bride en relief arrière et celui qu'on est en bride en relief avant. Maintenant, il suffit simplement d'alterner les croisements avec deux rangées sans croisement entre chaque. Et ici, on a fait nos trois rangées sans croisement. Maintenant, on va faire la rangée avec croisement. On travaille les doubles brides. On saute les trois brides suivantes. Dans la quatrième, une double bride. Dans la suivante, une double bride. Dans la troisième, une double bride. Souvenez-vous, on va les compter 3 par 3, c'est plus facile. Et souvenez-vous également qu'ici, on croise à l'arrière. Hop. On prend la première que l'on a sautée, toujours hein, en relief avant, puisqu'on est de face. Et on fait notre double bride. Deux jetés, et on va attraper celle du milieu, et on va faire notre double bride, hein, double bride en relief avant. Deux jetés, et la troisième, elle est là, hop. Je remets mes petites brides en place. Et là, de jeter, on va sauter les trois suivantes. Hein. Une, deux, trois. Dans la quatrième, une double bride en relief. Avant. Dans la suivante, une bride en relief. Avant. Et dans la suivante, une bride en relief. Avant. Puis ici, on va croiser, mais vers l'avant. De jeter et dans la première bride que l'on a sauté ici, on croise vers l'avant et on fait notre double bride. De jeter, double bride dans la suivante. De jeter et double bride dans celle qui reste. Et voilà. On a fait notre croisement dans la torsade du milieu. Maille serrée allongée dans la suivante. Bride relief avant dans la suivante. Maille serrée allongée dans la suivante. Bride en relief avant dans la suivante. Maille serrée allongée dans la suivante. Hop là. Et ici, on a notre dernière torsade. On saute les deux premières. Dans la troisième, on fait une bride en relief avant. Dans la dernière, une bride en relief avant. Ici, on va croiser à l'arrière. Hop, on pousse les brides qui nous gênent. Et on va attraper la première que l'on a sautée. Et on fait une bride en relief. Hop là, avant. Et pareil pour celle qui est juste à côté. Moi, à mon sens, c'est ce pas-là qui est un petit peu, un petit peu difficile. C'est pas compliqué, parce que c'est pas compliqué à comprendre, mais c'est juste un petit peu difficile à attraper. Maille serrée allongée dans la suivante. Bride en relief avant dans la suivante. Maille serrée allongée dans la suivante. Bride en relief avant dans la suivante. Et là, on s'arrête 2 minutes pour comprendre.
On a fait croisement devant, croisement milieu, croisement devant pour la deuxième. Maintenant, on va faire donc deux tours sans croisement. Donc pour le prochain ici, ça va être, on va faire toutes les brides en relief arrière. Dans celui d'après, toutes les brides en relief avant. Et pour les deux ici, on fera le croisement arrière que je vous ai montré ici. Pour celle du milieu, on fera encore un tour sans croisement. Donc, lorsque celle-ci, on va les croiser, celle-ci, on ne va pas la croiser encore. Vous voyez? Dans votre tête, il faut que vous sépariez ces deux torsades qui sont les mêmes et celle-ci. Voilà. Si vous voulez, on continue encore ensemble. On va faire des mailles serrées allongées jusqu'à la fin et on revient pour le tour suivant. Voilà, pour la rangée suivante, eh ben, on va tout faire en relief arrière. Donc, la première en relief arrière. La suivante en maille serrée allongée. La suivante en relief arrière. La suivante en maille serrée allongée. Et ici, on va faire les quatre de la torsade. On va commencer par les deux qui sont vers nous. Ah, pardon, c'est à l'arrière. Je me trompe déjà. Alors, bride en relief arrière dans la première et bride en relief arrière dans la deuxième, donc dans celles qui sont vers nous. Et là, maintenant, c'est celles qui sont de l'autre côté ici. Elles sont plus simples. Hop, bride en relief arrière. Une et deux. Ensuite, maille serrée allongée dans la suivante. Bride en relief arrière dans la suivante. Maille serrée allongée dans la suivante. Bride en relief arrière dans la suivante. Maille serrée allongée dans la suivante. Et si on arrive à notre torsade centrale, on va tout faire en bride. En relief arrière, on commence par les trois qui sont à l'arrière. Une. Deux. Et trois. Dans les suivantes qui sont ici, croisées vers la gauche. Une, deux et trois. Dans les trois qui sont penchés vers la droite. Une, deux et trois. Dans celle qui sont ici. Une, deux et trois. Ensuite, maille serrée allongée dans la maille suivante, bride en relief arrière dans la suivante, maille serrée allongée dans la suivante, bride en relief arrière dans la suivante, maille serrée allongée dans la suivante. Et on arrive à la dernière torsade. On va faire des brides en relief arrière. Donc souvenez-vous, les deux premières qui sont vers nous, d'abord, une et celle-ci. 2 et ensuite les deux qui sont de l'autre côté.
Une et deux. Maïs est réallongé dans la suivante. Bride arrière dans la suivante. Maïs est réallongé dans la suivante. Bride relief arrière dans la suivante. Dans la dernière. D'accord, les amis? La rangée suivante, on va pas la faire ensemble parce que c'est facile. Toute la rangée va être en relief avant. Sauf bien sûr les mailles serrées allongées. Hein. Ok. Et on va se revoir donc pour la rangée d'après. Donc la suivante, je vous la laisse vous la faire tout seul. Hein, puisque là, ça va être facile. Hein, que des brides en relief avant. Et on se voit juste après. Donc voilà, j'ai fait la rangée avec les brides en relief avant. Je suis revenue ici et maintenant. Donc j'ai fait deux rangées sans croisement pour les deux petites. Deux rangées sans croisement pour celle du milieu. Je vais faire le croisement arrière et puis après j'arrête là parce que je pense que vous avez compris à peu près le système. Je vais faire ici croisement arrière pour vous remontrer, mais c'est le premier croisement qu'on a fait ici. Ici, sans croisement. Et ensuite, pour le tour suivant, ce sera deux sans croisement ici. Et croisement, enfin, pour le tour suivant, ce sera sans croisement ici. Croisement ici. Le tour d'après, sans croisement. Pour personne. Le tour d'après, ça sera croisement arrière. Et là, vous alternez à chaque fois croisement devant, croisement derrière. Je sais, c'est un petit peu bon. Moi, je vous conseille de prendre un petit crayon et de noter ou revenir en arrière simplement dans la vidéo. Alors, on est à l'arrière, donc on va travailler les brides en relief arrière. Donc on va faire une bride en relief arrière dans la première. Dans la suivante, une maille serrée allongée. Dans la suivante, une bride en relief arrière. Dans la suivante, une maille serrée allongée. Et là, on arrive donc, si vous avez un doute, vous retournez donc dans la torsade et on va faire le croisement arrière. Qui est en fait le premier croisement que je vous ai montré. On saute les deux premières brides et dans la troisième, on fait une bride en relief arrière. Dans la quatrième, une bride en relief arrière. Et puis on croise et on fait une bride en relief arrière dans la première bride qu'on a sautée. Et ensuite, la deuxième, elle est là. Hein. Donc, bride en relief arrière dans la deuxième. Hop là. Et voilà, on a croisé en bride en relief arrière. Dans la suivante, alors, elle est là. Maille serrée allongée. La suivante, bride en relief arrière. La suivante, maille serrée allongée. Bride en relief arrière pour la suivante. La suivante, maille serrée allongée. Ici, on va faire 12 brides en relief arrière pour la torsade centrale. Une, deux, onze et douze. La suivante, maille serrée allongée. La suivante, bride en relief arrière. La suivante, maille serrée allongée. La suivante, bride en relief arrière. Et la suivante, maille serrée allongée. Et on arrive dans la quatrième et la dernière torsade.
On saute les deux brides, donc les deux premières brides. Dans la troisième, on fait une bride en relief arrière. Dans la quatrième, bride en relief arrière. Et on va croiser à l'arrière la première torsade. Bride en relief arrière. Et maintenant, la deuxième. Ensuite, maille serrée allongée, bride en relief arrière, maille serrée allongée et bride en relief arrière. Voilà les amis, alors je pense que je vous en dis pas plus, sinon cette vidéo va durer 3 heures. Pour la torsade du milieu, donc pour la rangée suivante, bah, il faut faire le croisement. Et ici, pour les torsades sur le côté, maintenant on fait deux rangées sans croisement. Et ensuite, on fait un croisement, croisement devant. Ok? Et on alterne croisement devant, croisement derrière. Si vous avez pu remarquer, celle-ci ne bouge pas. Et celle-ci non plus. Voilà. On va continuer comme ça sur quelques rangées. Je vous dirai tout à l'heure. À tout de suite. Voilà les amis, j'ai fait 63 rangées en tout. Maintenant, on va faire pour atteindre le dos, on va faire quelques rangées ici pour faire une encolure et ici. Alors, je vais changer le de place le marqueur et je vais le positionner en fait dans la maille serrée allongée qui est ici et ça va être mon marquage pour savoir là où je vais m'arrêter tout simplement, c'est-à-dire que je vais continuer à faire donc dérangé. Donc je vais continuer à faire ces deux brides en relief en même temps sur une petite hauteur, donc juste pour atteindre le dos. Voilà, on va continuer les rangées jusque-là, donc jusqu'à la maille serrée allongée. Donc je vous montre. On va faire des mailles. On va faire tout le toute la rangée comme d'habitude. Je vous montre simplement ici comment on se termine et comment on recommence la nouvelle rangée. Donc on va faire des mailles serrées allongées jusque-là. On arrive ici donc au marqueur. Vous voyez, on a fait nos deux brides ici en relief et puis on retire le marqueur et on termine par une maille serrée allongée. Et pour le tour suivant, on fait une maille en l'air, on tourne. On commence par faire notre maille serrée allongée, puis ensuite la bride en relief arrière, maille serrée allongée, la bride en relief arrière, et on continue, maille serrée allongée jusqu'à l'avant. Et on va donc faire des rangées comme ça. Bah, jusqu'à ce que notre devant fasse la même hauteur que le dos. Puis, je vous montrerai comment commencer donc l'encolure ici de l'autre côté. Donc voilà, j'ai fait 14 rangées en tout. Pour terminer, vous faites ici une maille en l'air. Vous allez laisser un assez long morceau de fil pour pouvoir coudre tout à l'heure. Et puis, vous passez le fil à travers. On va se positionner donc ici pour faire l'autre côté. On fait un nœud magique. Et on va commencer de droite à gauche les
ranger, on retire le marqueur et on passe le fil à travers la maille serrée allongée. On fait une maille en l'air et une maille serrée allongée. Et ensuite, on commence les tours. La bride en relief, dans la bride en relief, la maille serrée allongée, la bride en relief, et ainsi de suite. On va faire 14 tours, donc du coup, pour ce côté-là aussi. Donc pour chaque côté, pour les deux côtés, on va faire 4 points élastiques pour le bouton. Voilà. Alors moi j'ai choisi un point élastique un peu épais parce que comme le bouton il pèse un petit peu, ce sera bien, comme ça il sera bien tenu. Alors on va partir donc, on va faire chaque côté, donc les quatre, hein, les deux pour le devant, les deux pour le derrière, pareil. On fait un nœud magique et on va déjà faire une rangée de brides. Donc, on va rentrer dans la première maille ici. Et on va faire trois mailles en l'air. Et ces trois mailles en l'air vont être ici, pour le coup, l'équivalent de notre première bride, vu qu'on va travailler un point élastique en bride et double bride en relief. Vous allez voir. On monte trois mailles en l'air. C'est notre première bride. On va faire une bride dans chaque maille. Maille serrée ici de profil. Et moi, j'en ai compté 95 en tout. Donc pour chaque côté, je commence par 95 brides. Et maintenant, on va alterner en faisant des tours de double bride en relief et des tours de bride en relief. C'est-à-dire, on va faire un tour de double bride en relief et ensuite un tour de bride en relief. On va commencer par le tour de double bride. Donc, on va commencer par 4 mailles en l'air qui sont l'équivalent de notre première double bride. On tourne. Dans la bride suivante, on fait une double bride en relief avant. La suivante, on fait une double bride en relief arrière. La suivante, double bride en relief avant. La suivante, double bride en relief arrière. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin du tour. Arrivé ici à la fin, il me reste une bride et la dernière bride, les trois mailles en l'air. Donc moi, je dois faire une bride en relief avant, mais ça dépend. Vous, peut-être que vous aurez à finir par une double bride en relief arrière. Dans tous les cas, on fait notre dernière bride, double bride en relief. Et ici, dans la chaînette, on va faire notre dernière double bride. Et maintenant, on va alterner avec un tour de bride. Donc, on monte trois mailles en l'air. On tourne. Et on va faire les reliefs telle qu'il se présente. C'est-à-dire que la première ici, elle est en relief arrière, donc on va faire une bride en relief arrière. La suivante, elle est à l'avant, on fait une bride en relief avant. De toute façon, c'est toujours une bride en relief arrière, une bride en relief avant, et toujours comme elle se présente. On va donc alterner, là on fait le tour de bride, ensuite un tour de double bride en relief. Ensuite, un tour de bride, un tour de double bride en relief. Le tour de double bride, on commence par 4 mailles en l'air et le tour de bride par 3 mailles en l'air. N'oubliez pas que la dernière double bride ou la dernière bride, vous la ferez dans la chaînette. Et on va faire de cette façon, je vais vous dire ça tout de suite.
Donc, une, deux, trois, quatre, cinq et six et sept rangées de points élastiques. Une fois qu'on a fait donc les quatre points ici élastiques sur les côtés, on va coudre la partie du dessus, donc au niveau des épaules. Et moi j'ai compté 39 mailles. Alors je compte pas bien sûr le point élastique, hein. J'ai compté 39 mailles ici de chaque côté. On va coudre à l'envers, c'est-à-dire que les torsades sont de l'autre côté, tout simplement avec une aiguille. Alors on a laissé ici le fil d'un côté et on reprendra du fil pour faire l'autre côté. Et on va coudre comme on a l'habitude de coudre, hein, en passant par les mailles de cette façon. Et ensuite, on mettra la tunique à l'endroit. Voilà les amis, une fois que la couture elle est faite, vous retournez donc la tunique. Et voilà le rendu de la couture. Et puis, vous allez coudre votre bouton bah, là où vous voulez. Moi, je l'ai cousu de chaque côté. Et puis, on va s'occuper maintenant du col. Alors, j'ai commencé à cacher les fils, mais il m'en reste. Pour le col, on va se placer ici, dans un coin. Alors, on va faire un tour de maille serrée, tout autour ici. Alors, il y a des mailles pour lesquelles ça va être simple, comme ben, celle-ci, on voit bien. Là, ça va être un peu compliqué, c'est sur le rebord ici, parce que c'est le rebord de nos mailles serrées allongées. Puis ici, ça va être simple, hein, parce qu'on voit bien les mailles. On va faire un nœud magique, et puis on va se positionner bah, dans la maille ici, dans l'angle. On va faire une maille en l'air, une maille serrée et on va cacher le fil en même temps. Alors, comment on va procéder ici? On va faire une maille serrée. Voilà, j'essaie de voir en même temps, hein. Donc on a les mailles serrées de profil. Bon, on va faire une simple maille serrée, hein, et une maille serrée entre les lignes. Là, j'en ai fait une, deux, trois, quatre, cinq, six. Hop. Vous voyez, entre les lignes ici, il y a un petit trou. Sept, huit. 9, 10. J'essaie de compter pour avoir le même nombre de l'autre côté. J'aime bien quand tout est bien. Alors, on continue. Quand tout est bien pareil. Pour finir, on fait une maille coulée dans la première maille serrée. On va faire un petit col en point élastique. On monte 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Et on va faire une maille coulée. Alors attendez, je vais zoomer. Une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Une maille coulée dans la suivante. 2, 3, 4. On va faire une maille coulée dans chaque maille en l'air. 4 et 5. Et ici, on va faire le même principe du point élastique en maille serrée. D'habitude, je le fais en maille serrée. Mais là, on va, pour resserrer un petit peu en fait le point élastique, on va faire des mailles coulées. On va faire une maille coulée dans la maille serrée suivante. Une maille coulée dans la maille serrée suivante. Le même principe.
on va tourner, mais au lieu que ce soit des mailles serrées, on va travailler des mailles coulées. On saute les deux premières mailles ici coulées, une et deux, ou les deux dernières. Et donc, dans la troisième, on fait une maille coulée. Et on va les compter. Une, deux, on doit en avoir cinq. Trois, quatre, et la dernière. Je suis désolée, en fait, je suis mal positionnée pour filmer, donc des fois j'ai du mal. Et bien sûr, il ne veut plus faire le point. Bref. Ensuite, maille en l'air. Donc on fait une maille en l'air et dans la même maille, en prenant le brin arrière, on fait une maille coulée. Une, deux, trois, ne serrez surtout pas, quatre et cinq. Si vous avez tendance à serrer, prenez une taille au-dessus de crochet. Alors, vous faites une maille coulée dans la maille serrée suivante et une maille coulée dans la maille serrée suivante. Vous ne faites pas de maille en l'air, vous tournez un petit peu. Et c'est reparti. Vous sautez une, deux, les deux dernières mailles coulées. Donc dans la troisième, dans le brin arrière, vous faites une maille coulée. Une. Dans la suivante, deux. Trois. Quatre. Et cinq. Maille en l'air, on tourne un peu. Dans la même maille, dans le brin arrière, une maille coulée. Dans la suivante, 2, dans la suivante 3, dans la suivante 4, dans la suivante 5, une maille coulée dans la maille serrée suivante, hop, et une maille coulée dans la maille serrée suivante. Et on va faire comme ça tout le tour du col. Lorsque vous arrivez à la fin, hop, vous faites une maille coulée dans la première ou la dernière maille. Puis, vous sortez le crochet, vous allez prendre les deux pièces et vous allez les joindre. Vous passez le crochet dans la première ici et dans la première de l'autre côté. Et vous passez le fil. Vous faites une maille coulée. Et ensuite, vous allez passer dans la suivante d'un côté. Et dans la suivante, juste le brin qui est vers nous, et vous faites une maille coulée. Et voilà, vous allez fermer et c'est terminé. Ensuite, parce que vous avez fait la toute dernière, vous faites une maille en l'air, vous coupez et vous cachez les fils. Et voilà mes petits crochets, cette vidéo est maintenant terminée. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Laissez-moi un petit like et un petit commentaire que je me ferai un plaisir de lire. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins. Et comme d'habitude, prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao, ciao!